Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Ici Benoît Distaff Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau glitch sur Rainbow Six Siege. Donc un glitch qui se déroule sur la map Piotte et qui vous permettra tout simplement de traverser le mur dans le casino. Donc le casino qui se situe au deuxième étage du yacht. Donc il y avait un ancien glitch qui se déroulait au même endroit. Donc il fallait casser les trois hauts des machines à sous. Et ensuite on pouvait passer à travers en faisant croix. Sauf que ce glitch avait été patché il y a 3-4 mois par Ubisoft et il n'est plus réalisable. Donc le mur que vous allez traverser, ça sera celui-là, donc vous allez retomber ici. Et il y a une nouvelle méthode depuis la dernière mise à jour qui vous permet de traverser facilement donc les machines à sous. Donc vous traversez le mur et comme ça vous retombez dans le couloir. Et c'est facile pour back les ennemis quand ils attaquent au niveau de l'entrée. Donc là vous passez là, vous arrivez derrière eux, vous pourrez les tuer. Donc il faut tout simplement poser un bouclier à cet endroit. Donc il vous faudra un personnage avec un bouclier déployable et casser le haut de la troisième machine, donc la machine que je suis en train de casser actuellement. Voilà, donc à ce moment là ça va vous indiquer croix pour sauter quand vous allez vous mettre vers le bouclier, et là vous passez à travers et vous pourrez back les personnes quand elles vous attaqueront ici. J'espère que cette nouvelle méthode pour Wallbrecht le casino du yacht vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo de glitch, un vlog ou autre, et je vous dis ciao bye bye les gens, peace.